Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je compte vous présenter le hors-série de Anime Land, le studio Ghibli, une histoire en mouvement. Donc là, je l'ai enfin terminé. Donc, ça raconte un peu les dernières années de Ghibli qui se sont passées. Donc, vous avez la biographie, vous avez les films, d'autres informations. Donc, c'est un livre que je vous recommande à acheter parce que pour les fans de Ghibli comme moi, parce que c'est un bon petit bouquin de visionnage. On comprend un petit peu mieux chaque personne, notamment Isao Takahata, Hayao Miyazaki et bien d'autres encore. Et on a également une page qui rend hommage à ceux qui sont plus de ce monde. Donc c'est bien. Quelques projets avortés du studio Ghibli et bien d'autres encore. Les boutiques, le musée Ghibli. Et donc on a bien sûr d'anciens bouquins qui sont sortis au Japon mais qui je crois qu'ils sont pas encore qui ne sont jamais sortis chez nous. Donc voilà, vous avez également une page consacrée sur Goro Miyazaki parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment guère Goro Miyazaki parce que ce dernier n'a pas tendance à faire la même chose que son père parce qu'il faut savoir il a fait Les Contes de Terre-Mère, La Colline au Coquelicot, une série en 3D comment ça s'appelle c'est la Ranja, la fille de la brigande, et il a réalisé récemment le film en 3D, le premier film en 3D de Ghibli, Raya et la sorcière. Donc, donc là, il raconte aussi les sorties de nouveau, des films en DVD et Blu-ray dans un tout nouveau format. Donc voilà. Et pourquoi je vous recommande ce livre? Parce que déjà, c'est un très bon magazine, je l'ai bien savouré. Ils vous proposent, enfin, ils nous font découvrir des choses que même moi, je ne pouvais pas trop savoir. En tout cas, On You Mark, qui est une espèce de clip pour un clip vidéo qui, je ne me rappelle plus trop bien. Mais également, on nous parle un peu des petits courts-métrages qui sortent que au musée Ghibli. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc on a quelques-uns dans ce bouquin, dans ce magazine, je vais vous les montrer. Donc attendez 2 minutes. Donc voilà, donc on a tout ça de petits courts-métrages. Donc on a vu une suite à Totoro, donc voilà. Donc ce court-métrage n'a pas eu de musique, donc on a vu de véritables bruitages. Donc il y a certaines choses, c'était pas réalisé par Hayao Miyazaki. Donc il y a également, ils ont fait la publicité et bien d'autres encore. Donc c'est quelque chose qui m'a dans ce magazine m'a beaucoup plu parce que désormais je sache beaucoup de à peu près des choses et surtout j'ai passé un bon moment à lire ce petit magazine. Donc en tout cas je remercie Anime Land pour faire ce hors-série. J'achèterai quelques-uns encore d'autres et en tout cas je les félicite pour tous ces petits travaux. Donc vous avez aussi celui-là de bouquin qui va sortir, Aya et la sorcière. Donc voilà. Et vous avez d'autres propositions, notamment ce petit bouquin que peut-être j'irai l'acheter, peut-être. C'est Fables et légendes japonais. Donc voilà. J'espère que cette vidéo assez petit court vous aura beaucoup plu. Que cette recommandation que je vous recommande, vous pourrez le trouver sur Amazon.fr ou sur Fnac. Ou également, parce que là, je l'ai acheté en magasin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.